Yo tout le monde, on se retrouve dans un tout nouveau vlog parce que aujourd'hui je vais faire quelque chose d'assez spécial. Je vais assister à mon tout premier événement en rapport avec YouTube. Donc je vais participer au Beauty Day, donc c'est un événement dans un centre commercial à côté de Toulouse. Et je vais en fait réaliser un tuto make-up de soirée d'été. Donc je vais maquiller une très bonne amie à moi. À qui j'ai demandé d'être mon modèle. Il doit être 11h, quelque chose comme ça, et je suis allée me faire faire les ongles parce qu'il y a également des ateliers pour se faire faire les ongles, se faire masser, se faire coiffer et maquiller gratuitement. Donc moi j'ai fait les ongles, mais je suis hyper deg parce que j'ai déjà arraché un de mes ongles. Voici où est le bout de mon ongle sur mon bras. J'ai pas fini mon make-up parce que j'ai pas eu le temps. Donc j'ai juste fait mon teint et mes sourcils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi, je vais finir mon make-up, essayer de trouver un vernis de cette couleur pour remplir le petit trou. Je retournerai ensuite au centre commercial pour aller manger avec les autres youtubeuses. Et après, je vous montrerai l'événement, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vous dis à tout de suite. Me voilà de retour au centre commercial, enfin sur le parking du centre commercial pour être exact. Donc là, c'est bon, je me suis maquillée. J'ai même trouvé un vernis de la même couleur pour pouvoir reprendre mes ongles. Donc c'est parfait et là du coup je vais manger avec les autres youtubeuses au centre commercial. Bon, en tout cas, voilà, vous savez tout si vous voulez vous rendre sur la chaîne de Lunamos. Notre première youtubeuse de l'après-midi, Lunamos. Pour commencer, on va s'occuper un peu du teint et sur le teint, on va faire quelque chose d'assez léger et simple parce que c'est l'été, il fait assez chaud. On va commencer tout de suite avec une base. Donc la base, c'est super important parce que ça fait vraiment une barrière entre le maquillage et la peau. Donc elle va m'appliquer une base qui vient de chez Kiko. C'est la Skin Trainer. La paupière avant de passer à des couleurs assez flash, on va d'abord mettre une couleur assez nude et on va utiliser un gros pinceau pour vraiment commencer par recouvrir toute la paupière. C'était 30 secondes promo là, vas-y. Vous pouvez me retrouver tout d'abord sur YouTube le mercredi et le samedi. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, donc pareil, Luna-Moss. C'est les deux réseaux où je suis principalement active. Je travaille pour une agence de presse. Et moi j'ai fait mon petit tuto pour Adieu Maquillage Cool avec Bleu Rachel. Du coup ça a pris 7 heures de maquillage, j'en ai mis un petit peu. Ouais, alors fais gaffe parce que du coup ça fait tirer. Fini le make-up, donc sur la petite scène, c'était plutôt sympathique. Voici le résultat, si le focus veut bien se... Ah, il y a des Starbucks qui passent. Du coup, un petit Starbucks pour fêter ça. Voilà. Voici la tenue que porte Luana. C'est un body, ça fait très été, avec le petit accessoire que pour les cheveux que vous verrez dans la vidéo, mais qu'elle a enlevé. Et surtout, ce que j'adore, c'est la chaîne. Je trouve ça vraiment trop beau. Pour l'été, c'est parfait. Le body, c'est un Misguided. Alors je suis désolée pour vous les amis, mais si vous voulez trouver le même body, il est en rupture de stock définitive. Et pour la chaîne du coup que Camille adore, c'est une Asseuse Design pour le serre-tête. Donc à la base c'est un serre-tête qui se porte et sur le dessus de la tête et sur le derrière. C'est un Asseuse Design aussi et voilà. Je porte un t-shirt trapèze, je ne connais pas la marque de ce
vêtements, mais je crois que c'est des vêtements 100% bio. Donc voilà, pour le pantalon, on est sur un petit pantalon Bershka que j'ai montré déjà plusieurs fois et il est sur mon lookbook. Et les chaussures, c'est les Asics, je crois que c'est les Gel Light 2. Et les chaussettes que j'adore avec un petit foufou, voilà, pour un petit détail de folie. Pour mon collier, je ne sais plus du tout d'où il vient. Et tes petites créoles. Ouais, et les créoles, elles viennent de chez H&M. Nous voilà de retour sur le parking, donc c'est la fin de l'événement. Je vais fermer ma portière. Je crois qu'il est 19h, je suis un peu fatiguée parce qu'on est resté... Enfin, on est beaucoup resté debout. Je remercie beaucoup l'agence qui a organisé tout cet événement et qui m'a permis d'être là. Donc c'était super, c'était un premier événement en rapport avec YouTube, ça m'a beaucoup plu. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à aimer la vidéo. Et donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. I got my ticket for the long way round. To buy the whiskey for the way, and I'm sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, do you say? When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I've got my ticket for the long railroad. As much the prettiest of you. It got mountain, it got river, it got sight to give you shaver. But it will be prettier with you when I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone.